c'est beau ce violet, ce rose. Oh, j'espère que je vais y arriver. Coucou, 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 papounet, ça va? Coucou, papounet, ça va et toi? Ouais, ça va. Bah dis donc, mais qu'est-ce que tu fais avec ce livre sur l'espace et ces flacons de peinture Cléopâtre là? Oui, mamounette, j'ai eu une révélation hier. Je regardais YouTube parce que je m'ennuyais alors nonchalamment comme ça. Je passais des vidéos quand tout à coup je tombe sur un tuto qui nous explique comment faire une peinture qui représente l'espace. Oh non, trop cool. Alors c'est pour ça que t'as sorti tout ton petit matériel. Bah oui, tu connais ma passion pour l'espace. J'adore l'espace, les petits copains de copines. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Tu vas nous faire... Ouais, tu vas nous faire une croûte quoi. Je vais faire une croûte et puis tu vas prendre net, la technique est assez spéciale. Les petits copains et copines, restez bien. On va lancer le générique et tout de suite après, on va s'installer pour faire cette peinture. Vous allez voir, la technique est vraiment très 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 spéciale. J'espère qu'on va y arriver, mamounette. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je sais pas dans quoi je m'embarque. C'est comme à chaque fois, mamounette. On essaye? Allez, c'est parti. Générique! Et voilà, j'ai mis mes gants. Maintenant, on va bâcher les murs. Et donc aussi, les petits copains, les petites copines, papounet. Oui. Tu veux bâcher les murs? Oui, parce qu'on sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est que cette peinture, papounet? Je pensais que c'était un truc tranquillou, t'allais faire un beau tableau. Oui, c'est tranquillou. D'ailleurs, nos petits copains et copines, ils pourront reproduire cette activité. Mais tu vas voir, c'est une technique un peu spéciale. On n'a pas l'habitude. Il n'y a pas de pinceau, il n'y a pas de palette, il n'y a rien. Tu vas voir, c'est très simple. Mais c'est un peu spécial. D'accord, donc tu as besoin de gants. Alors devant toi, je vois que tu as disposé des petits pots de peinture. Voilà, donc j'ai pris des couleurs qui représentent l'espace, le violet, le bleu, le blanc pour les étoiles. J'ai aussi, très important, un gobelet que nous allons découper. Et j'ai aussi mon tableau blanc. D'accord, voilà. Tu as une petite toile, montée sur un châssis là et puis tu as protégé la zone aussi, je vois. Tu as utilisé ma plaque à pizza. Oui, car vous allez voir, on utilise une technique que j'appelle la technique par excès. C'est moi qui ai donné ce nom-là, mamounette, la technique par excès, parce qu'on va mettre plein de peinture. Vous allez voir, ça va déborder, ça va dégouliner, d'où les gants. D'accord, ok. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais en premier? Je prends mon gobelet et je vais le découper. Donc, je vais couper à peu près à ce niveau-là. Et je découpe. Regardez bien, les petits copains et copines, c'est tout simple. Je découpe, je découpe. T'as pas besoin d'être droit là. Non, non, on s'en fout, on s'en fout. On découpe n'importe comment. D'ailleurs, je ne suis absolument pas droit. La preuve, hop, faut peut-être que je rejoigne quand même. Voilà, donc j'ai découpé mon gobelet. Ok. Ok? Ouais, facile. La partie haute en fait. Et ce gobelet, je vais le poser sur ma toile. Alors regardez bien, il va se passer ici. Ok. Mais avant, hop, je prends de la peinture noire. Et je vais en mettre de partout. Presque partout, en fait, je vais faire un cercle. C'est parti, regardez bien, on ne plaint pas la peinture. Allez, c'est parti. Je fais un rond comme ceci de peinture noire. Regarde, mamounette, j'en mets de partout. Hein. On n'a jamais testé les petits copains, les petits copines. Si ça se trouve, ça va faire n'importe quoi. C'est très très possible, mamounette. Hein. Donc là, je vous le dis, petits copains et copines, on va passer un bon paquet de peinture, mais c'est la technique qui veut ça. D'accord. Donc maintenant, je prends mon petit, comment on peut appeler ça? Demi-gobelet. Mais c'est même pas un demi, c'est un bout de gobelet. Ouais. Et je le place au milieu, comme ceci. Bien au centre. Voilà, au centre. Voilà. Ensuite, je peux remettre un petit peu de peinture noire autour, si je vois qu'il en manque, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, j'en mets tant que je veux, voilà. Parce que vous allez voir les petits copains et les petites copines, à la fin, nous allons tout recouvrir. Hein. Hop, voilà. Je vais remettre un petit peu dedans, voilà. Histoire qu'on en ait bien de partout, voilà. Oulala, mamounette, il y en a beaucoup qui est tombé là. Bon, est-ce que tu vois bien, mamounette? Oui, je vois bien. Alors, tu sais ce qu'on va faire? C'est toi qui vas le réaliser, mamounette, ce tableau, car c'est toi qui vas m'énoncer les couleurs que tu veux que je mette dans l'ordre. Alors, j'ai mis un dégradé. Est-ce que tu veux qu'on suive ce dégradé? Ouais, c'est plutôt une bonne idée, je pense. Tu veux? Bon, ça alors, de commence par quoi, alors? Alors, le noir, on l'a mis. C'est déjà fait, donc le violet. Le violet. Alors, les petits copains et copines, regardez bien. J'ai mis le violet dans un gobelet et je vais tout simplement vider le gobelet au centre, comme ceci. Donc là, c'est de la peinture pure ou tu l'as diluée un petit peu? C'est de la peinture acrylique, donc elle est à l'eau. J'ai mis un tout petit peu d'eau histoire qu'elle soit plus fluide. Mais en fait, on peut la mettre comme ça quand on l'achète, elle est fluide. Hein. D'accord. Ensuite, quelle couleur? Bleu. Bleu. Bleu foncé. Alors écoutez, petit copain et copine, je mets du bleu foncé. Donc on vous disait, on ne sait pas dans quelle galère on s'embarque. On ne sait pas du tout. Donc on verra bien. Là, pour le moment, il ne se passe rien. Mamounette, tu veux quoi comme couleur après? Oh, le bleu ciel. Le bleu ciel. Alors lui, je l'ai fabriqué, petit copain et copine, parce que j'en avais pas. Donc j'ai mélangé. Du blanc. Oui, du blanc et du bleu. Et du bleu foncé.
simplement. Allez, je mets ça. Glou, 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 glou. Donc là, c'est beau, hein, Mamounette. Ça crée un dégradé magnifique. Est-ce qu'il se passe la même chose que sur ton tuto, sur ta vidéo? Pas du tout. Parce que sur ma vidéo, là, les couleurs commençaient à diffuser, moi, pas du tout. Mais j'ai vu qu'on pouvait, une petite astuce, on peut aider la chose. D'accord. Qu'est-ce que tu veux ensuite? Du blanc? Allez, du blanc. Du blanc. Allez, du blanc. C'est parti. Regardez, les petits copains de copines, on dirait que j'ai fait une cible. Absolument rien. Il se passe rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire là? Eh ben on va se soulever un peu, Mamounette. Regardez les petits coups de copine. J'espère que ça va marcher. On croise les doigts. Un petit peu la couleur. Exactement. Alors j'espère que ça va marcher. Je lève un peu. Les petits coups de copine. Il se passe absolument rien. Mamounette, il se passe rien. Ah, Mamounette, il se passe rien du tout. Je sais pas si ça marche. Mamounette, il se passe rien. Si, ça fait une jolie cible, Mamounette. Les petits copains de copines. Quelle technique exceptionnelle! Je suis pas sûr qu'on obtienne ce qu'il faut, là. Qu'est-ce qu'on fait, Mamounette? On continue. On continue? Qu'est-ce qu'on met? Alors, du rose. Du rose, t'es sûr du rose, là? Ouais. Allez, du rose. Bon, les petits copains de copines. Mais en beaucoup, moi, je pense que t'en as pas mis assez. Mais... Je sais pas. Mais écoutez, je mets du rose. Pas assez, ça ne fait absolument pas ce qu'il faut, Mamounette. Et ensuite, qu'est-ce que je mets? Après, tu vas remettre du violet. Du violet, tu veux du violet? Allez, bah du violet. Après, du blanc. Oui, écoutez, moi j'écoute Mamounette. Voilà, du violet. Ça coule de partout, Mamounette. Hein. Oh là là là, j'en mets partout, les petits copains de copine. Du blanc? Ouais. Ah, on saute le bleu. Ouais. Allez. Bon, bah du blanc, allez, bah du blanc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que tu veux, Mamounette? Du turquoise, s'il t'en reste. Ah, on revient sur du bleu quand même. Ouais. Bleu turquoise, ok. Voilà. Et après? Et ensuite un peu de violet. Un peu de violet, ok. Bah allez, un peu de violet. Hein. Non, mais là, ça va faire une cible. Je pense qu'on va obtenir une cible, les petits copains. Un peu de blanc. Encore du blanc? Ouais. Lunette. Hop, ouais, et puis. Un peu de rose. Du rose encore? Ok. Oh, les petits copains de copines, je sais pas dans quoi on s'embarque. Et ben, normalement, on est censé finir par du noir. Ah, tu veux du noir? Un petit peu. Bon, t'as du noir. Bon, les petits collets de copine. Je mets le noir. J'en ai mis beaucoup, Mamounette. J'en ai mis vraiment beaucoup. Voilà. Ça ne se passe pas du tout comme prévu, les petits collets de copine. Normalement, la peinture était censée se diffuser et faire des choses un peu bizarres. Alors, on va l'aider. J'espère qu'on va y arriver, Mamounette. Allez, on l'aide. C'est parti. Vas-y, peinture. Diffuse-toi. Diffuse-toi. C'est quoi, Mamounette? J'ai l'impression que notre peinture... Elle est beaucoup trop compacte. Tu as fait un œil. J'ai fait un œil. C'est pas du tout l'univers. Ce n'est pas du tout l'univers, les petits copains et copines. Alors, vous savez quoi? Changement de stratégie. Nous ne faisons plus l'univers. Nous allons faire des marbrures. Nous allons essayer de rattraper cette vidéo, les petits copains et copines. C'est parti. Alors, moi, par contre, j'aimerais bien mettre un peu de rose au milieu pour faire une jolie marbrure. On va faire un œil. Hein. Hop. Oh, allez, c'est parti. Alors, Mamounette, regarde bien. C'est là qu'il faut beaucoup de dextérité. C'est parti. Je prends ma toile. On dirait un disque vinyle aussi. Je sais pas si c'est vrai qu'on dirait un disque. Pour les petites copines, c'est vrai, c'est vrai. Disque qu'on mettait sur les platines et il y a un petit sillon qui vient lire le disque. Tout à fait. Et on dirait ça. Mamounette, je quitte les gants. Et c'est parti. Allez, les petits copains de copines, nous allons effectuer des mouvements rotatoires. Nous allons voir ce qui se passe. Hop, regardez, petit copain de copine, ce qui se passe. Elle est beaucoup trop épaisse, à mon avis. Mais bien sûr, Mamounette. Elle a dilué un petit peu plus. Mais bien sûr, Mamounette, qu'elle est trop épaisse. Je m'écoute pas du tout. Tout à fait. On fait qu'à ta tête. Mais regarde, c'est quand même joli. Oui. Ça ne représente absolument pas l'univers. Mais c'est joli. Qu'est-ce que t'en penses, Mamounette? Est-ce qu'on a quelque chose de chouette ou pas du tout? Je suis comme... Tu ne te prononces pas. Je sais pas quoi dire. Moi non plus. On va essayer, on verra bien. Hein. Alors, écoutez, les petits copains et copines, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Écoutez, normalement, ça aurait dû faire l'univers. Là, ça nous fait des... Ah ouais, une belle tache rose, là. Des taches. Les marbrures commencent à se faire un petit peu vers violet. Tu trouves? Regardez, les petits copains et copines. Donc voilà, il y a de l'excès, hein, forcément. Donc moi, je vais rajouter des couleurs. Je vais mettre un peu de bleu ici. Allez, tu vas, ça y est. Allez, ça y est, tu te lâches. Je me lâche, je mets du bleu. Je ne suis plus du tout le tuto, j'en ai plus rien à faire. Je fais n'importe quoi, ça me saoule. Je fais n'importe quoi, les petits copains de copine. Je sais pas dans quoi je m'engage. Je vous l'avais dit avant de faire cette vidéo. Elle est trop épaisse, ta peinture. Ouais, je pense que ça fonctionne avec une peinture très liquide. Ouais, je pense aussi, Mamounette.
Un petit cowboy de copine. Là, ça bouge pas du tout. Là. Je sais pas ce que tu nous as fait là. Attends, ma monnette, on va réparer ça. Belle coulure. Regarde. Et là, je vais remettre un peu de noir. Ça manque de noir tout ça. Allez, un peu de noir. Hop, un peu de noir là, un peu de noir là. Un petit peu de noir là, un petit peu de noir là. Je mets tout le noir, ma monnette. Hein, allez. Voilà, je mets tout le noir. Ça va être magnifique. Voilà. Moi, j'ai vu, ils font comme ça, ma monnette. Hein. Les petits copains de copines, je pense que c'est un gros fiasco. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Regardez. Allez, cool. Cool, cool, cool. Ouais. Ah. Ma monnette, je ne t'entends plus. Est-ce que tu es stupéfaite? Tu n'es pas du tout stupéfaite, ma monnette? Si, franchement, je suis impressionnée là, par la maîtrise totale voilà. de ton art. Regarde, j'en ai plein les doigts. Voilà, il n'y aura pas du tout les bords qui vont être pris, là, non. du châssis. Il n'y en a pas partout du tout. Je ne ferai pas de pizza ce soir dans ce plat. Attends, ma monnette, j'ai une idée. Je vais mettre un peu de violet ici. Oui, c'est vrai que ça manque. Ça manque de violet, tâche. Voilà. Et je vais rajouter du bleu turquoise, voilà. Avec un petit peu... De blanc, allez, de blanc, oui. Allez, soyons fous. Et je finis par du rose. C'est bien, tu fais pas des taches en plus, tu fais pas couler les taches. Pas du tout. Voilà. Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? Non, mais dans l'idée, c'était sympa à réaliser, mais alors là. Bah quoi là? C'est très psychédélique. Mais oui, mais regarde ma monnette, on va avoir quelque chose de psychédélique et en fait, ça va être très moderne. Donc du coup, tu as fait la fosse, là, la grande fosse au fond de la mer. La fosse des Malouines? C'est ça que tu voulais dire, la fosse des Malouines? Oui, la galaxie, j'ai l'impression. Ouais, en fait, je sais pas trop ce que j'ai fait. Peut-être que c'est un zoom d'une planète, en fait. Tu sais, des fois, quand il y a les cartes de chaleur ou des précipitations, voilà. Là, un truc... Voilà. Alors ici, il fera beau. Ici, nous avons une précipitation qui nous vient des Açores. Et donc, bon, les petits collègues de copines, j'ai les doigts, c'est une catastrophe. Alors, peut-être qu'il ne faut pas reproduire ça chez vous, en fait. C'est une idée, plutôt pertinente. Ah, mais vous savez quoi, les petits collègues de copines, j'ai pas dit mon dernier mot. On en fera un autre, hein, ma monnette, on fera un autre tuto comme ceci, mais avec de la peinture plus liquide. Voilà. Voilà. Regardez, les petits collègues de copines, c'est quand même joli. Non, franchement, j'aime bien. Déjà, le choix des couleurs était bon. Bah oui. Ensuite, oui, j'ai toujours voulu avoir un bout de météo, quoi. Un bout de carte. C'est moi qui suis en dépression, ma monnette, c'est pas la météo. Bon, ma monnette, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette œuvre? Est-ce qu'on peut dire qu'elle est terminée? Oui, moi, personnellement, j'aurais ce motif-là sur des baskets, je serais content. Ah oui! Sympa. Ah bah oui, c'est vrai, ma monnette. Attends, je mets un peu de noir ici parce qu'il en manque. Donc normalement, les petits colis de copines, quand on a de la peinture un peu plus liquide, ben, ça recouvre aussi les côtés. Et du coup, c'est un peu plus joli. Ouais, mais là, on s'en fout, on peut mettre un glaçage, quoi. Là, c'est oui, pas un bon glaçage. Il est pas mal, mon glaçage, ma monnette. Oui, moi, j'aime bien. Du coup, je peux pas trop te l'attraper. Hein. Ah non, tu peux pas l'attraper. Là, faut les sécher. Faut les sécher. Et faut les c'est dur, et voilà. Je savais, j'allais le couper. Faut les sécher. Faut les sécher assez longtemps, du coup. Eh ben là, il faut bien 4 heures. Ta croûtasse. Ma croûte. Mais elle est belle, ma croûte, ma monnette. C'est magnifique. On dirait du marbre. Alors, plus tu continues de le bouger dans tous les sens, plus la peinture s'en va. C'est vrai. Et du coup, t'as des petites bulles, par contre. Hein. Alors ça... Oh, ça crée le côté authentique. Oui, mais oui, voilà. Bon, les petits copains et copines, on va laisser sécher. Et on se retrouve dans quelques heures. Pour vous, c'est tout de suite. Hé, hey, les petits copains et copines. J'ai une petite idée. Au lieu d'attendre ces 4 heures là patiemment à ne rien faire, je me suis dit, ma monnette, pourquoi on ne prendrait pas un petit bout de bois comme ceci, une baguette, et qu'on appliquerait des petits motifs pour faire comme des mouvements. Ouh là 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 là, papounette, t'es en train de t'embarquer dans un truc là. Peut-être je vais le pouiller encore un peu plus. Ouais, on va voir de toute façon. On verra bien, hein. Je pensais pas l'accrocher dans le salon là tout de suite. Hein. Je suis déçu. Ouais. Bon, on y va, regardez bien. Je prends donc cette petite baguette qui a un bout un peu pointu. Pointu et, beaucoup. Et puis on y va, on va essayer. Alors, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Hop. Ah ouais, c'est rigolo. Regarde ma monnette. Oh, c'est pas mal. Regarde ma monnette. Propre, peut-être l'essuyer entre chaque. Allez, j'essuie. Alors oui, on va voir si je fais ça par exemple. Hop. Hop. Bah, je suis pas sûr qu'il faille essuyer ma monnette. Parce que justement, ça mélange les couleurs. C'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Tu ne penses plus rien. C'est
tu essayes de faire un rond. Non, je fais des choses. Ah, tu veux que je fasse un rond? Tu veux que j'essaye de faire un rond? Je suis pas sûr. Je suis pas convaincu. Non, mais on peut faire des petites choses comme ça, regarde ma mounette. Hop. Des petits escargots. Hop. Qu'est-ce que t'en penses, ma mounette? C'est un escargot. C'est un escargot écrasé par un tropical. J'essaie avec le côté plus gros. Ah ouais, regarde ma mounette. On peut faire des petites formes comme ça sympathiques, regarde. Hop. C'est joli ça. Mmh. Ça donne du mouvement finalement. Le gros côté était pas mal. Hein. Hop. Je préférais pas avant. Tu préférais avant? Moi j'aime bien comme ça. Hein. Ça donne un sacré mouvement, j'aime beaucoup. Tu préférais avant ma mounette? Je sais pas, je vais attendre le résultat final, c'est pas mal là ce que t'es en train de faire. Non, j'aime bien. Oui, il a des petits ronds. Hop. Des petits escargots. C'est pas mal, non? Oui. Alors c'est vrai qu'il y a un paquet de peinture, les petits courriers de copines. Oh, ça va mettre une plombe à sécher. Donc nous on va l'aider, on va prendre le sèche-cheveux et puis on va sécher, on va sécher, on va sécher. J'espère que ça va pas craquer, parce qu'en général quand on sèche avec un sèche-cheveux, la peinture a tendance à craquer. Alors on va y aller mollo. Mais j'aime pas mal comme ça ma molette, regarde. Hop. Ça donne du relief, du mouvement. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon bah on va s'arrêter là, qu'est-ce que t'en penses? Mmh. Hein? Allez, hop, voilà. C'était peut-être le coup de trop. C'était le coup de trop? Attends, j'en remets la peinture. Ah, c'est le coup de trop? Non, c'est moche. C'est moche? Je remets un peu de peinture bleue, petit copain de copine, puis on voit ce que ça donne. Ok. C'est pas sûr là. Là je suis pas sûr de ce que j'ai fait, ma mounette. Pars complètement sur le côté. Tu veux que je fasse quoi? Jusqu'au bout. Les explications de ma mounette. Jusqu'au bout du côté. Jusqu'au bout du côté, par de la tangente alpha. Je comprends rien ce que tu veux me dire. Ça là, ce petit trait, moi je le prolongerai. Ah, tu le prolongerais comme ça? Au bord de la peinture. Comme ça. Avec un petit... Non, c'était une idée. Comme ça. Si, c'est bien. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà, les petits corrects de copines. C'est pas mal finalement, ça ne représente absolument pas l'univers. Mais je sais pas quoi. Quelque chose de... Un ciel, des nuages. Moi, je dirais quelque chose de moderne. Hein? Ouais, non, c'est sympa comme ça. Qu'est-ce qu'on lui donne comme nom à cet art? L'art au pif. Hein? Complètement au pif l'art. Le tuto raté. Le tuto raté. Tuto raté, on l'appelle. Tuto raté. Tuto raté, en un mot. Bon, les petits de copines, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va vraiment laisser sécher et on va voir ce que ça donne au bout de 4 heures. A tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Et bien ça y est, 2 heures seulement se sont écoulées et ma toile est sèche. Il faut dire que dehors il faisait très très beau, on l'a mis au soleil et elle a séché très vite. Alors voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est pas vraiment une portion d'espace qui est représentée là, hein. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est quand même pas mal, je suis content de moi. On dirait un zoom sur une planète avec des nuages un peu tourmentés. Qu'est-ce que tu en penses, ma mounette? Alors, mon avis, oui. Il faut que je sois critique ou pas? L'avis de ma mounette me compte beaucoup. Alors, on dirait du street art un petit peu. Ouais. Hein, on dirait quelque chose d'assez assez sympa, moi je trouve moderne. Quand même. Très moderne, ouais, tout à fait. Et alors, par contre, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que tu m'avais vendu au début. Hein. Ah non, pas du tout. Alors, les petits corrigés de copines, il faut vous dire que notre peinture était certainement trop épaisse. Il aurait fallu que je la dilue beaucoup plus. Voilà. C'est ça qui a tout. T'as pas écouté ma mounette. C'est vrai, ma mounette, avant la vidéo, elle m'avait dit « T'es sûr qu'elle est pas un peu épaisse, ta peinture ?» Je dis « Hop, 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 mais non, c'est très très bien, mais enfin, écoute, expert. » Non, en fait, rien du tout, c'est moi l'expert. Donc du coup, bah, c'est pas grave, papounet, on essayera peut-être, si on retrouve une nouvelle toile, de faire la technique initiale en fait, oui. Hein, ce qu'on avait prévu de faire à l'origine. Mais alors du coup, passe-moi ta croûte là. Tu fais bien de dire croûte, ma mounette. Parce qu'il y a du relief, regardez. Oui, regardez, on le voit bien. Hein. Bah, ça relief. Va, hein, franchement, pour l'épaisseur, ça a séché assez vite. Alors regardez le mouvement que Papounet a imprimé avec sa petite baguette là, sa petite brochette même, c'est un pic à brochette que tu as utilisé. C'est plutôt pas mal. Bon, et puis surtout, les couleurs sont sympas, quoi. Ça va bien ensemble. Du bleu clair, du violet, du rose, du surfond noir. Je trouve que c'est pas mal. Bon, ben voilà. Et puis en plus, ma mounette, dans la vidéo, j'explique à un moment que dans les vidéos tuto que j'ai vues, ben, les bords sont aussi colorés. Ben ça y est, ça l'a fait, nous aussi, regarde. Eh oui, ça a fonctionné. Regarde. Du coup, ben, franchement, une poubelle de fou. Elle va être hyper bien décorée, quoi. Comment ça, une poubelle de fou? Mais je voulais...
accrocher ça dans notre chambre, juste au-dessus de ta tête, quand tu dors. Attends, c'est sympa pour décorer la poubelle. Non, la chambre. Tu le mets sur le couvercle jaune, là. C'est vrai que la poubelle jaune, c'est assez basique, quoi. Tout le monde a la même. Je pense que si tu accroches ça, ce sera nickel. Tu es en train de dénigrer mon art, Mamouna. Non, c'est pas vrai, je te taquine. Non, franchement, c'est pas mal. C'est super sympa. Moi, je pense que si vous aimez ça, les petits copains et les petites copines, vous en faites plusieurs et tout. Vous accrochez ça dans la chambre et c'est sympa. Oh, hein, ça passe bien. Ouais, tout à fait. Oui, surtout, vous pouvez choisir les couleurs que vous voulez. Là, c'est des couleurs un peu violette-rose. Vous pouvez prendre du vert, du jaune, du rouge, que vous voulez. Mm. Et puis, peut-être que je vous montrerai d'autres techniques. Car c'est pas la seule technique qui existe avec le vert découpé, ouais, comme vous avez vu. Du coup, c'est pas une technique. Mais oui, c'est vrai. Bon. On verra bien ce que ça donne. Bon, les petits copains et copines, on va se laisser. Faites un gros big up à cette vidéo si vous voulez que je recommence. Et le big up, c'est quoi? C'est les pouces bleus. Voilà, donc si vous voulez qu'on recommence ce genre d'expérience, on se lance carrément, on ne sait pas sur quoi on va atterrir, ben, la preuve, voilà, ça donne ça. Ça pourrait être complètement raté comme complètement réussi, on ne sait pas à chaque fois. Nous, on s'amuse à le faire. Ouais, puis là, je pense qu'on est entre les deux. Entre les deux, hein. C'est moyen. C'est pas raté, mais c'est pas ce qu'on voulait faire. Mais c'est pas ce que je voulais. Bon, les petits copains et copines, likez, partagez, commentez. On vous fait de gros bisous et on vous dit à bientôt sur une prochaine vidéo. Soyez sages et abonnez-vous. Des gros bisous. On se laisse sur la toile, faites n'importe comment.